Donc là, j'ai raccordé le dashboard sur une alimentation via une batterie 12 volts sur les fils noirs et rouges, comme ceci. Je ne sais pas si on voit bien. Les fils orange et marron et de la LED d'alarme. Quand la LED d'alarme apparaît, j'ai un 12 volts qui apparaît, ou 24 volts si je suis branché en 24 volts. Ensuite, j'ai mes quatre entrées. Les fils mauve, blanc, vert, jaune. Parce que on peut avoir des options, notamment des reports de la position du robinet ou des reports de décharge en cours. Aujourd'hui, le système va fonctionner qu'avec deux entrées, le pressostat haute pression et le pressostat basse pression. Pour que le dashboard fonctionne bien, on va donc chanter le fil mauve et le fil vert. On va les rassembler ensemble et on va venir brancher le pressostat haute pression. Pressostat haute pression qui est ici. Je viens brancher donc sur le fil mauve. Donc j'ai fait un petit chant ici entre le fil mauve et le fil vert. Et je viens brancher mon pressostat haute pression entre ici et l'autre partie du pressostat sur le châssis, sur une basse, ou dans mon cas, sur un moins que je vais venir chercher ici, sur mon domino. Donc vous avez vu qu'au préalable, j'ai coupé les connecteurs pour avoir accès au câble. Je vais me brancher mon pressostat basse pression qui est ici. Je vais donc chanter mes fils jaune et blanc par le chant ici qui est fait là blanc. Je vais brancher mon pressostat basse pression sur, en fait, sur le fil blanc et sur le fil jaune. Et l'autre polarité du pressostat, soit sur le châssis, soit sur le moins. Donc là, je vais reprendre le moins. Pour réinitialiser le dashboard, j'appuie sur le bouton test. Le dashboard s'initialise. Comme sur les 4 entrées, j'ai 4 moins, mon tableau de report passe en veille. Un exemple en situation réelle, j'ai une fuite sur la haute pression de l'appareil. Donc le pressostat va basculer de son contact normalement fermé. Va s'ouvrir, donc je débranche un câble du pressostat haute pression. Le pressostat haute pression me signale une avarie sur le système, donc un manque de pression. Donc on allume le voyant orange sur le buzzer et on actionne le buzzer qu'on peut arrêter par une touche sur le buzzer. Si j'ai maintenant une perte sur la basse pression. La basse pression, c'est en fait la pression que j'ai dans mon tube détecteur. Donc ça va signaler une alarme, c'est-à-dire que j'ai une extinction en cours. Donc je débranche mon pressostat basse pression. De ce fait, j'allume le voyant rouge du dashboard qui indique au chauffeur que j'ai une décharge en cours, que je peux arrêter.